Ils sont trois confinés. Christophe et Clémentine à La Rochelle et François à Poitiers. Clémentine fait les illustrations, François la musique et les voix, et Christophe mélange le tout pour que ce soit joli à écouter. Et tout le travail se fait à distance. Des histoires de dragons, de zèbres, de princesses et de sorcières. À écouter le matin pour un câlin, ou avant la sieste, ou même le soir, avant de se coucher. Histoire pour les oreilles, c'est des histoires d'évasion, pour soulager les parents et faire rêver les enfants, à partir de 3 ans.